Je suis amoureuse de cette jardinerie. La météo est toute pourrie. Du vent, de la pluie, c'est la tempête. Donc j'avais prévu un jardin vlog pour aujourd'hui, mais c'est mort. Hello! Une fois de plus, on se retrouve dans la voiture. Ça va devenir un spot habituel de tournage. Et j'ai ma petite bouteille d'eau, ce qui signifie que je pars pour un peu plus loin que juste à côté de chez moi. Ouais, ça veut tout rien dire. On va donc se faire encore un jardinerie tour parce que je vais explorer une jardinerie à Nantes. En fait, je vais au Truffaut de Nantes. On m'a dit qu'il est bien achalandé et j'ai des courses à y faire, donc c'était prévu. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Mode Esquimau activé, parce que là, j'ai pas envie de sortir de la voiture, hein. Pourtant l'entrée de la jardinerie est pas loin, mais aïe 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 aïe. Allez, go chariot, parce que là ça va être un bon shopping aujourd'hui. Constater maintenant que j'ai le jardin, je démarre toujours par le mobilier de jardin. De toute façon, c'est vers l'entrée, ça fait envie. Ce genre de balancelle, j'adore. J'en rêve et j'en aurai une un jour, promis juré. En tout cas, celle-ci est super jolie. Et celle-là, j'imagine, celle qui est derrière, j'imagine très bien Loulou qui serait dedans. Là, j'ai vu des hippomées absolument magnifiques. Ça grimpe. Et il y en a des violettes et des vertes. Et je les imagine trop ensemble. Et le drame, c'est que j'ai oublié de les prendre. J'ai oublié de les mettre dans le chariot. Là, c'est l'orgie de plantes fleuries avec des petits oxalis violets et verts. Alors là, j'ai envie d'en faire sauter deux dans le chariot, c'est obligé. Et une orgie de plantes fleuries, mais c'est incroyable. Au secours, Miss Tomate me suit partout et maintenant elle a des potes. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez pour qui j'ai craqué. J'en ai ramené deux et je vous laisse deviner, sinon vous les verrez au fil des vidéos. J'ai regardé tout ce qui est potager, notamment les pieds de tomates. Ils avaient un choix mais de dingue, mais il était un peu tôt quand même. Et là, les fétuques bleues, elles sont magnifiques, énormes. Je regrette un petit peu de ne pas en avoir pris, mais bon, il y aura d'autres occasions. Et elles sont absolument sublimes, ce sont des graminées, ça. Et maintenant, place aux bulbes. J'ai envie, pour ma bordure fleurie, de mettre des bulbes d'été, donc je jette un petit coup d'œil. J'ai une passion pour les agapanthes. Ouais. Je sais pas si je vais craquer aujourd'hui. Je vous laisse voir ça sur Instagram. Et ensuite, je suis partie dans l'espace extérieur avec les pots, les plantes ornementales, voilà. I never felt tomorrow closing in this fast. Je me suis pas mal intéressée à ce petit pot, j'aime bien la forme, j'imagine bien des petites plantes de rocaille par exemple. Et puis après, j'ai vu ça à l'intérieur, ce sont des pieds, et alors en l'imaginant sur pied, ça m'intéressait plus du tout, c'est pas du tout comme ça que j'avais perçu le truc. Il y a pas mal de pots, ceux-là j'aime bien l'effet texturisé, enfin pas texturisé, mais l'effet marbré. Mais bon, je suis pas sûre que ça irait chez moi. Je pense que je vais opter pour d'autres contenants finalement pour mes grandes plantes. Et là, j'ai vu des jardinières vertes. C'est un beau vert et elles me plaisent bien. Mais en fait, j'ai pas vraiment besoin de jardinière maintenant avec le balcon. Pas vraiment. Comme toujours, je cherche un mocha rosa, mais c'est une quête et tôt ou tard je tomberai dessus. Je pourrais le commander par correspondance, mais j'aimerais bien le voir avant de l'acheter. Sometimes I understand I
Les Lévisias, ça c'est super, vous pouvez en prendre, ça pousse tout seul, ça fleurit sans arrêt, ça se multiplie, c'est du bonheur. Et ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Regardez le rayon des vivaces en godet, c'est pas cher, ensuite ça pousse bien, tu les gardes des années, c'est royal. Inutile de dire que j'ai craqué, vous vous en doutez j'imagine. Encore les pots, je m'y intéresse beaucoup hein, parce que je vais pas planter toutes mes plantes en pleine terre. Donc je regarde beaucoup ce qui se fait, les prix, qu'est-ce qui me plairait, qu'est-ce qui irait chez moi. Donc j'explore des rayons que je laissais jusque-là inexplorés, j'avoue. J'ai regardé ça, il y en a beaucoup beaucoup en Vendée pour se cacher des regards, mais ça coûte une blinde, c'est pas forcément simple à installer parce que c'est lourd, donc on verra. Regardez-moi ce rayon, oh là là, elles sont belles, elles sont bien, elles sont en bon état, franchement je me suis régalée, je me suis fait plein d'envie, après je regarde en général et après je plonge dans mes livres pour vérifier, pour regarder qu'est-ce qui pourrait aller chez moi, tout ça, et puis il faut le temps que ça se construise un jardin, ça m'a beaucoup plu, beaucoup beaucoup. Ça aussi, ça me plaît énormément. Je sais pas si j'en mettrai dans ce jardin-là, mais en tout cas, ça me plaît beaucoup. J'ai acheté un bambou. Ouais, d'ailleurs, vous le connaissez hein, maintenant. Vous avez vu sa plantation. Ça par contre, ben voilà le pittosporum, vous savez où il est maintenant, sur ma terrasse. Et regardez ces fleurs. Franchement, celui-ci, un régal. Et ensuite, je suis tombée dans le coin des plantes d'intérieur. Et là, c'est l'orgie. Syngonium, albo, variegata, j'ai failli craquer, ils sont magnifiques, juste magnifiques, c'est une plante qu'on avait du mal à trouver il y a encore quelques mois, et cette aglaonema, inutile de vous dire que j'en ai crevé d'envie, mais elle était un peu chère pour mon budget, j'ai laissé tomber, mais il y avait de quoi se régaler, j'ai failli en acheter tellement. Là, j'étais très tentée, vraiment très tentée. Et je me suis rappelée que je fais crever tous les alocasias et je sais pas si dans la nouvelle maison, ça pourrait passer. Mais j'ai pas osé essayer. Elles sont magnifiques, magnifiques. Calathea comme ça, c'est absolument magnifique. Par contre, c'est un petit peu une diva de la soif. Hein. Il roule ses feuilles, il les tombe. J'aime bien l'ambiance. C'est chouette. Potos argentés, je voue une passion à ces plantes. Et cette Oya, j'en ai une qui était dans le même style, mais pas tout à fait pareil. Et voilà, ça me fait envie. C'est toutes ces belles plantes qui me donnent envie de renouveler un petit peu ma collection, de me refaire plaisir sur les plantes d'intérieur. I watch you as you dry.
Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? Les thermomètres. J'en ai besoin d'un. C'est quand t'as un jardin, t'as besoin d'un thermomètre. Notamment pour tes semis, si tu fais des semis, mais aussi pour savoir si tu dois rentrer des plantes ou pas. Et celui-ci est top. Pareil, vous l'avez vu sur Instagram, si vous me suivez là-bas, et il est vraiment génial. Aucun regret d'avoir pris ce modèle-là, au contraire. Il y avait un paquet de graines, j'étais contente parce que j'avais visité une jardinerie avant où il n'y avait pas de graines, presque pas. Et là, il y avait vraiment, vraiment un choix, mais absolument dingue. This moment, can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving. Les gars, j'ai kiffé une jardinerie de dingue. Alors la sélection plantes d'intérieur, on n'en parle même pas. Là il y en a deux dans la voiture. Je voulais plus de plantes d'intérieur, hein. En plus je suis à fond sur le jardin là en ce moment avec l'arrivée du jardin, le printemps et tout. Et ben là il y en a cinq, ouais, que j'aurais pu acheter 5. Et je me suis retenue, ça m'embête d'habiter si loin de Nantes parce que j'ai très envie de revenir en prendre. Voilà, alors il n'y a pas que ça, au niveau plantes d'extérieur. Oh, je suis en train de repenser à des plantes que j'ai pas prises et que j'aurais bien aimé prendre. J'ai plus pensé à regarder après. Oh là là. Tant pis, c'est pas grave, c'était pour ma bordure. En fait, il y a tellement plein de trucs, c'est juste génial. Il y a du choix, enfin, c'est en plantes d'extérieur, il y avait tout dans les annuelles, les plantes fleuries. Après, t'allais dans les tout ce qui est plus buisson, là, comme je cherchais et tout. Oh là là, j'y ai passé un temps fou. Moi, je me suis dit, à un moment donné, ils vont me demander de payer un loyer parce que j'arrêtais pas. J'ai trouvé plein de trucs qui m'intéressaient. Un rayon d'érable du Japon. Alors Marie-Ange m'en a offert un, mais là quand j'ai vu tout cela, j'ai dit mais il n'y a pas moyen, je vais faire une collection. Je vais les collectionner ces plantes-là. Bref, là je suis vraiment vraiment enchantée. C'est y a tout. Alors l'outillage aussi, pareil, 3 tonnes de trucs, les graines. Enfin voilà, vraiment je suis hyper contente. Ça c'est le truffaut de Nantes. Je valide à 100%. Je suis très très contente, il y a de tout. Alors au niveau arbre, arbuste et tout, il n'y a sûrement pas autant que dans une pépinière, j'imagine, qui va être bien spécialisée et tout, mais genre, t'as des trucs à mettre dans ton jardin, c'est parfait. Je suis vraiment hyper enthousiaste. Enfin bref, une super jardinerie, là maintenant je vais rentrer. Je vais vous montrer ça sur Instagram, je pense, mais d'ici à ce que je poste la vidéo, il y aura déjà la première partie de l'unboxing. Par contre, vous pourrez retrouver les trucs en poste. J'ai vraiment trouvé de quoi faire. En fait, on est plusieurs dans la voiture là pour rentrer. Voilà, on est plusieurs avec les plantes et je suis hyper contente quoi. Vivement que la météo s'arrange, hein, c'est tout ce qui manque, hein, d'avoir un temps un peu plus clément parce que là il y a beaucoup de vent. La pluie c'est très très bien, hein, mais le vent là, voilà. Bref, je suis trop contente. J'espère que vous avez apprécié la visite. Je suis pas sûre d'avoir filmé autant que j'aurais voulu, mais après j'étais dans mon truc et voilà. En tout cas, je vous recommande cette jardinerie, hein, y a pas à chipoter, elle est cool. Je vais couper ma caméra, démarrer le moteur et on se retrouve très bientôt, un mardi ou un vendredi à 18h. Et puis j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis hop, je rentre à la maison. J'ai la dalle, il est 13h je crois, j'ai faim, mais je vais attendre d'être à la maison.